J'avais un chien, et dire j'avais un chien, ça résume pas du tout comment j'avais un chien. J'avais un ami qui s'appelait Barouf parce que c'était un chien. Même si ça explique pas du tout pourquoi il s'appelait Barouf. Quand on l'a choisi dans la chiotterie, parmi tous ses frères et sœurs qui gambadaient partout, qui jouaient avec nous, tout ça, Barouf c'était le seul qu'on n'avait pas vu parce qu'il dormait sous un buisson à 10 mètres de là. C'était le seul qu'on voulait pas en fait. Mais c'était le seul que mon père voudrait bien, on s'est dit. La première fois que j'ai vu Barouf, il était couché. La dernière fois que j'ai vu Barouf, il était couché. Et entre les deux, souvent, il était couché. Mais il y avait une vraie sagesse qui se dégageait de toute cette placidité. C'était un chien vachement intelligent. On dit de certains chiens qu'ils savent ouvrir les portes. Barouf savait verrouiller les portes. En se couchant comme ça, là, juste derrière. Y a pas à dire, Barouf était hyper calme. Il était tellement calme que quand il est mort, on s'est aperçu de rien. Il était pacifique aussi. Un jour, il s'est fait attraper comme ça, là, clac, le museau, là, par un autre chien, quoi. Il a pas bronché. Et c'était avant qu'il était mort. Une fois aussi, il s'est fait attraper comme ça, là, bing, 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 par le berger allemand du voisin, par derrière. Il était tellement pacifique qu'il a rien dit. Ni le jour d'après, ni le jour d'après. Le jour d'après, c'est mon père qui a gueulé. Parce qu'il disait que c'était trop la honte d'avoir un chien pédé. Il osait plus croiser le voisin, surtout quand il sortait son berger allemand. Mon père disait que, encore, si Barouf avait été actif, ça irait. Et Barouf était ultra passif. Un jour, Barouf a disparu pendant un moment. Il avait suivi une petite chienne à quelques kilomètres de là. Mon père était fier. À chaque fois que quelqu'un lui demandait des nouvelles de la famille, il disait « Ouais, la famille, ça va, non, il y a juste le chien, là. Ils ont encore fait une fugue, 30-50 kilomètres peut-être, pour aller suivre une petite chienne, là. Oh, quel fief hétérosexuel, celui-là, je te dis pas, hein. » Mais le voisin lui envoyait toujours ses petits regards vicelards, comme ça, tout ça, et ça, mon père, il supportait pas. Alors on a décidé d'accoupler Barouf. Barouf était assez... neutre. On sentait qu'il voulait bien faire, mais sans forcer. Alors on l'a laissé chez une chienne pendant un mois. Le dimanche, toute la famille y allait pour l'encourager. Allez, Barouf! Surtout mon père. Au bout d'un mois, les propriétaires nous ont appelés pour nous dire que ça y était. Barouf avait réussi. La chienne attendait des petits. Mais que Barouf était mort d'épuisement. Non. Mais en fait, il était pas vraiment mort, c'était juste une expression. Comme beaucoup de chiens, il est mort de s'être fait piquer. Mais lui, c'était par un moustique. Depuis, je tue les moustiques pour Barouf. Barouf, c'était comme un grand frère pour moi. Et je ne l'oublierai jamais.